On veut aller trop vite. On veut toujours aller trop vite. C'est un problème que j'ai observé chez 99% des personnes que j'ai accompagnées ces dernières années. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelles sont les étapes, dans quel ordre tu dois les passer et comment faire pour être toujours à la bonne vitesse et sur le bon chemin avec ton entreprise de coaching, d'accompagnement ou si tu es thérapeute. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de timing. Aujourd'hui, on va parler de vitesse. Et je vais surtout te révéler dans quel ordre tu dois créer tes produits, tes offres, tes accompagnements pour être toujours à la bonne vitesse et en train de faire la bonne chose au bon moment. Je sais que ce n'est pas une question facile. Je sais que tu aimerais aller plus vite. Je sais que tu aimerais que ce soit plus efficace, que ça prenne moins de temps, que ça génère plus d'argent. Mais il y a des étapes pour le faire et tu vas voir, elles ont un sens. La première chose que je vois en général en accompagnement, c'est des personnes qui se lancent et qui très vite veulent faire un programme de groupe, un programme en ligne, des petits produits, des formations. Tout simplement parce que le marché nous a expliqué qu'il ne fallait pas vendre son temps, qu'il fallait vendre en automatique, qu'il fallait faire des ventes pendant que tu dors. Le problème, c'est que quand tu débutes, personne ne te connaît. Personne ne te connaît, mais en plus de ça, tu es mauvais en connaissance client et c'est normal. Tu es mauvais en vente et c'est normal. Tu es mauvais en marketing, en copywriting. Et c'est normal. Mais plus encore, t'as pas d'audience et la plupart du temps, t'as pas encore un salaire qui te permet d'être au niveau où tu voudrais être. Dans ces cas-là, la formation de groupe, le programme en ligne, les petites formations sont une erreur. C'est une erreur tout simplement parce qu'au début, tu vas être capable de faire 3 ventes et pas une de plus et tu seras pas capable d'accompagner tes clients et de les aider au niveau où tu voudrais le faire. Donc, tu as le choix. Faire 3 ventes à 47 € et ne pas aider les gens parce que tu n'es pas encore capable aujourd'hui de les aider de la bonne façon, ou faire 3 ventes à 10 000 € et être capable de mettre énormément d'énergie pour aider tes clients. Maintenant, attention, il ne s'agit pas de vendre à 10 000 € ce que tu aurais vendu 47 €. On n'est plus dans cette mode du high ticket où on vend toujours plus cher pour le simple fait de vendre plus cher. L'idée, c'est de te demander quelle est la plus grosse douleur de mon client idéal. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour lui aujourd'hui que je suis capable de résoudre avec mes compétences, avec mes connaissances. Comment je fais pour l'aider? Quand tu le connais bien, parce que tu lui as parlé, parce que tu t'es immergé dans son monde, tu peux trouver la bonne façon de l'aider. Et cette façon de l'aider, tu vas la mettre en parallèle avec le coût de ne pas résoudre le problème pour cette personne. Qu'est-ce qui se passe dans le futur pour cette personne si elle ne travaille pas avec toi? Et ensuite, tu vas te demander, qu'est-ce que je peux faire pour résoudre le problème de la meilleure façon possible. De quelle façon je dois l'accompagner? Qu'est-ce que je dois faire à sa place? Qu'est-ce que je dois faire avec lui, avec elle? Qu'est-ce que je dois lui apprendre? Qu'est-ce que je dois lui donner? En te posant ces questions, tu vas créer un programme d'accompagnement en one-one. Toi et la personne. Du vrai coaching, du vrai accompagnement. De la vraie aide personnalisée. Tout simplement parce que c'est ce qui a le plus de valeur aujourd'hui. C'est ce que les gens ils ont envie d'acheter. Et ça va te permettre de vendre bien plus cher. Vendre bien plus cher, c'est pas une fin en soi si on ne sait pas pourquoi on le fait. Pourquoi tu le fais? C'est parce que, en commençant par du one-one, tu vas certes vendre ton temps, mais tu vas le vendre beaucoup plus cher. Et ça, c'est très intéressant. Avec cet argent, avec ce cash que tu vas réussir à injecter dans ton entreprise, la première chose que tu vas faire, c'est te payer convenablement, dans un premier temps, et c'est très important pour ton mindset. La deuxième chose que tu dois absolument faire, c'est être capable d'injecter de l'argent en croissance. Croissance, ça veut dire quoi? C'est pas forcément de la publicité. Ça peut être un monteur pour YouTube. Ça peut être une personne qui fait tes visuels. Ça peut être un assistant pour t'aider et te dégager du temps. Ça peut être un social media manager, un community manager. Ça va être des personnes qui vont t'aider à avoir de la croissance, à acquérir plus d'audience. Et ça, tu peux le faire qu'une fois que tu as de l'argent. Le problème, c'est que si tu essayes de payer une personne comme ça alors que tu vends des produits à 47 € et que tu n'as pas d'audience, ça va prendre un temps stratosphérique. Donc, on commence toujours par du one-one. Du one-one qui vaut un certain prix, qui te permet de te dégager des revenus et d'injecter en croissance. Injecter en croissance, ça peut aussi vouloir dire d'ailleurs injecter en publicité. Ça peut vouloir dire acquérir plus d'audience. Il y a plein de façons de faire qui sont complètement différentes et tu dois choisir celle qui est la bonne pour toi. Une fois que tu es plus capable de prendre plus de clients en one-one, mais que tu as été capable d'accompagner beaucoup de personnes et de les aider vraiment, c'est-à-dire que tu as passé du temps avec elles, tu sais par quoi elles passent, tu sais comment résoudre leurs problèmes, là seulement, tu vas commencer à te concentrer sur une offre de groupe, tu vas te commencer à te concentrer sur un programme hybride qui amène du coaching mais aussi de la formation et qui fait que tu vas passer moins de temps
à accompagner tes clients. Bon, aujourd'hui, c'est ce que j'enseigne dans des programmes plus avancés, c'est ce que je fais avec mes clients one-one par exemple. Ce programme-là ne marche que quand tu as déjà l'argent et l'audience. Si tu commences sans argent et sans audience et que tu essaies directement d'aller sur un programme de groupe, tu manques d'expérience, tu manques de temps, tu manques de connaissances, tu manques de compétences et c'est pour ça que tu n'y arrives pas. La plupart des entrepreneurs que je croise et qui essayent directement de faire du groupe se plantent à cause de ça. Tout simplement parce que la vérité, c'est que tu n'es pas encore assez bon pour faire du groupe. Tu n'es pas encore assez bon pour les aider vraiment à atteindre ce qu'ils veulent. Mais on veut aller trop vite. On veut tout de suite faire un truc qui soit scalable. Mais la vérité, c'est que la plupart des entreprises, au début, ne se scalent pas et c'est normal. D'abord, tu fais du one-one, tu fais du done for you. Tu vas accompagner les gens, tu vas prendre de ton temps pour voir comment tu sais résoudre leurs problèmes. Une fois que tu as fait ça, tu peux commencer à standardiser. Une fois que tu as fait ça, tu peux commencer à te poser des questions sur comment aider plus de personnes dans le même temps. Mais au début, et je sais que c'est contre-intuitif, tu dois vendre ton temps. Vendre ton temps, ça ne veut pas dire vendre une heure, mais ça veut dire vendre de ta personne, vendre de ton accompagnement. Ça veut dire être présent pour les gens jusqu'à ce que tu sois assez bon pour en aider 5 dans le temps où tu en aidais 1. Et c'est comme ça en fait qu'on se plante en voulant aller trop vite, en voulant sauter les étapes. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui gagnent énormément d'argent en vendant des formations à 47 €, c'est des gens qui ont des milliers de personnes dans leur audience. Les gens qui gagnent de l'argent en vendant des programmes de groupe, c'est parce qu'ils sont assez bons pour délivrer en groupe ce qu'ils étaient capables au début de délivrer en one-one. Et c'est pour ça que tu dois y aller étape par étape. Je sais, c'est pas sexy, je sais, c'est chiant, mais c'est la bonne façon de faire. C'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à regarder les liens dans la description et à me dire ce que t'en penses. A plus.